Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Winamax TV, c'est l'heure de Twittos FC, votre émission avec la crème des Twittos sur le plateau. Il y a du monde sur le plateau aujourd'hui, on est bien garni avec Zach Nani. Salut Zach. Bonsoir. Comment vas-tu? Tu vas bien? En pleine forme? Vous allez bien? Oui, moi ça va, tout va bien. Très bien. Dédicace à Reyes. Vous le voyez à son âme. À côté de notre invité ce soir, Clément, journaliste SoFoot. Bonsoir. Merci. Et supporter de fan du Stade Rennais. Je suis content que tu sois là, ça mon ami. Ça va très bien se passer. C'est original. T'as vu, original. Ça, alors, ça change de Yanis. Hein. Lui, c'est un fan, on sait pas trop d'où. PSG, Marseille, Monaco, non, Amiens, ouais. Je sais pas, il y a un peu tous les clubs. Nice, supporter de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco e-sport. C'est qui tes clubs, on sait jamais. L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco e-sport. Ouais, c'est pas une autre entité. Il supporte le fric. Dès où il y a du fric, il va. Le mercenaire. Bon, je pense à Monaco, ça te va bien. Si Amiens lui file du fric, il va à Amiens. Ouais, c'est ça la vie. Et puis toi, supporter de Lyon. Saint-Etienne, malheureusement. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas bien, Sofiane? Ça se passe bien. Je suis supporter de l'Atalanta également. Oui. Depuis 2019, quand même. Peut-être. Hein? Tu penses à changer de club des fois? On va y réfléchir. J'ai une vidéo pour toi qui va sortir demain. Je sais. Ou jeudi. Je sais de quoi tu veux parler. Elle est totalement prête. Ouais. Allez. Analyse tactique de l'Atalanta, attention. Vous allez voir, c'est du très lourd. En tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat de Winamax. Si vous voulez interagir avec nous, si vous êtes sur YouTube ou encore Molotov, une seule adresse, winamax.tv. Et puis sur Twitter, hashtag TwittosFC. Sofiane à mes côtés relira vos meilleurs tweets. Aujourd'hui, top of cuckoo, pardon, comme d'habitude, le top des tweets du week-end. On va parler du Rennes avec toi, Clément. Ça me fait mal au cœur, mais bon. Rennes joue ce soir quart de finale de Coupe de France sur la pelouse de Belfort. Tu vas peut-être rigoler s'ils sont sortis. Non. Belfort qui fait ça. J'aime bien Rennes, j'aime bien. Ouais. On en parlera dans un instant. Il y aura l'élite, opinion et la grille de Zach, oui. Deux en un. 6 sur 7. Ce sera séparé. 6 sur 7, c'est pas mal. Ouais. On s'est fait sauter par un match horrible. Par les racailles de... Niort, les racailles niortaises. Le chamois. Attention. Ouais. Tu sais, on a perdu sur quoi l'autre jour, la grille? On a perdu sur Niort qui perd 4-3 contre Caen, un CSC, 3 pénaltys. D'accord, ouais. Sur les 4 buts qu'ils prennent, c'est un CSC, 3 pénaltys. Le manager, le truc et tout. N'importe quoi, gros. Non, on viendra à Niort. Et puis, pour finir, on vous a demandé sur Instagram, vous pouvez d'ailleurs participer pour peut-être remporter des free bets. Quel était votre joueur rennais préféré dans l'histoire du Stade Rennais, si vous en trouvez, en tout cas. Libre à vous d'aller répondre sur Instagram. Oui. Non, t'inquiète pas, je vais arrêter de troller le Stade Rennais. Allez, c'est parti, on commence avec le top of QQI, les amis. Et cette semaine, on commence avec un petit tweet, Sofiane, d'Axel Noem, forcément. Ouais, de mon préféré. Toujours. Lopez, ça fait 8 ans qu'il est présenté comme un espoir. Il a l'âge de Lilian Lascandes. Voilà, ça c'est. Le truc. Alors, c'est un peu fou. Il a 22 ans, Maxime. Oui, Lopez. Mais. Ouais, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit ouais, il va exploser en tant que supporter de l'OM. C'est un bon. Ça, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Mais c'est un faux bon espoir. Ouais, non, mais le fait, le truc qui l'a tué, c'est qu'à un moment, on l'a comparé à Iniesta. À Aouar. Ah ouais, c'est dur. À Aouar aussi. C'est un calibre différent d'avoir, mais c'est un très très bon joueur. Moi, j'aime bien ce genre de joueur parce que pour donner une analogie à l'OL, par exemple, pas du tout le même âge ou quoi, mais c'est un peu un Denayer, c'est-à-dire il a le niveau pour pouvoir jouer dans le club, ouais. Pas nécessairement pour aller forcément beaucoup plus long, beaucoup plus haut, ouais. Qui peut rester là pendant des années, qui fera toujours le travail. Moi, perso, Lopez, j'adore. Vraiment, ouais. Après, il a un format de joueur à l'espagnol, c'est-à-dire petit, vif, qui redouble les passes. Technique. Est-ce que dans cette Ligue 1, t'as envie de voir ça? En tout cas, il n'est pas souvent titulaire. C'est pas le crochet de Comboiré, de ses potes. Du côté de Marseille, on ne le voit pas souvent sur le terrain. J'espère qu'il finira pas comme Cosiello. Tu sais, Cosiello est revenu. Ouais. Ouais. Aïe, arrangé, effectivement. Allez, numéro 2, messieurs, rien à voir. C'est un tweet d'Emeric Laporte. Ouais, il y a eu un montage qui tournait. Avec ses jambes. On a mis la tête de Messi sur les jambes de Laporte. Qu'est-ce qui s'est passé, Sofiane? Je sais pas. Moi, un montage qui tournait parce que Messi était vu potentiellement comme un transfert à Manchester City dans les prochains mois. C'est le truc de foot mercato à 2 francs. Sauf qu'ils ont pris les jambes de Laporte et ça fait rire Laporte, donc ça m'a fait rire. Ouais, j'avais vu aussi un tweet comme quoi le chèque ou je sais pas quoi, il voulait donner un énorme joueur à Guardiola cet été, genre énorme, c'est-à-dire dans le calibre genre Messi, Neymar, un truc comme ça. Et effectivement, vu qu'il a eu des petits problèmes avec sa direction récemment, c'est ce qui a donné lieu à ce montage. On tire jamais. Et puis numéro 1 de ce top of QQI, c'est un tweet sur Mbappé, Sofiane. Ouais, c'est Winamax Sport forcément. C'est la mi-temps et Mbappé refuse de sortir du terrain. L'arbitre lui rappelle qu'il doit revenir au vestiaire pendant la pause. Effectivement, suite au match de Montpellier qui fait toujours parler. Vous aimez trop cette vie. Qui n'avait pas aimé sortir. Ça, c'est les blagues qui fonctionnent bien. Ça. Ah, c'est la vie qu'ils adorent. Hein. Effectivement. Ça a été le moins bon sur PSGOL des 3 de devant, j'ai trouvé. Pardon, non, j'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, les moins bons que Di Maria sur le match. Ah, Di Maria, c'est le meilleur joueur du match aussi. C'était dimanche soir, victoire 4-2 des Parisiens sur l'Olympique lyonnais. Allez, c'est l'heure du hashtime. «
Et sur les réseaux, ça a beaucoup parlé de Rennes ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que Rennes, tout va bien, mais Rennes a viré son président, l'actionnaire majoritaire. Bah, ils se sont dit, ça va beaucoup trop bien. Il y a un truc qui n'y a pas. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va virer le président. On va virer le président. On va virer le président, si, Olivier Létang. Effectivement, c'est l'actionnaire Pinot qui a viré Létang. Le père, non ? Enfin, le tu peux nous raconter, nous résumer la situation pour, Il y a eu beaucoup de choses. On a entendu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a eu quelques articles qui ont été écrits, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Clément ? Dans les faits, c'est que vendredi, le Stade Rennais a annoncé qu'il s'est séparé d'Olivier Létang. Visiblement, ça a été concrétisé le jeudi, donc la veille, mais c'est pas sur un coup de tête, c'est un truc qui commençait à... Mais tu le sentais ? Vous le sentiez ? Ça commençait à se murmurer un peu en interne, et on savait que le coup de près pouvait tomber. Maintenant qu'il tombe en février comme ça, ça paraissait un peu improbable, mais la justification, c'est aussi que Rennes pense à construire un peu son effectif pour la saison prochaine. Donc, si on l'avait viré en fin de saison, ça aurait été compliqué par rapport au mercato qui commence maintenant pour l'été. Donc, c'est une décision un peu spéciale. C'est compliqué de savoir pourquoi. On a beaucoup lu que c'était soit lui, soit l'entraîneur, qui allait sauter. Non, c'est faux, ça ? C'est plus compliqué que ça. On sait qu'entre Stéphane Létang, ça n'allait pas super bien. Il ne s'entendait pas super bien. Il y a eu un été difficile. Stéphane a menacé de partir. Mais ce n'est pas la seule raison, et Stéphane n'allait pas voir Pinot pour dire « c'est Létang ou moi, sinon je me barre en février ». Donc c'est quand même plus compliqué. À Rennes, il y a un environnement un peu compliqué chez les Pinot, qui ont un entourage très présent encore au club, qui fait que Létang, qui lui est en dehors de tout ça justement, pour lui ça devenait compliqué. Moi j'avais lu un truc, c'est pas juste le fait… Regarde Zach, ils ont balancé le communiqué. Vas-y. Alors genre 10 minutes, 20 minutes avant, il y avait des journalistes qui commençaient à faire du teasing, qui était surpris de... Ils ont mis grosse annonce. 5 minutes avant, ouais. Voilà, à venir, machin. Donc on s'est dit, c'est quoi le truc ? Kamavinga se casse, tu vois ? Mais tout sauf Létang. Et au final, toutes les réactions qu'on a en dessous, envie de mourir, je vais crever, ce club avait une âme de champion avec Létang, c'est dingue. Enfin, 90% des mecs sont surpris et... Tu vois, qu'est-ce que c'est ce bordel, machin. Donc ça a surpris même chez Rennais. Alors que nous, par exemple, à Lyon, tu sens qu'il va se passer un truc. Tu t'arrives à le. Tu vois. Et puis je peux dire que si Garcia saute, par exemple. Bien sûr, tu le là, sais. Là, tout le monde serait content. C'est un peu. C'est surprenant que, genre, comme ça tombe. Surtout pour un président, c'est ouf. Après, il y a aussi de temps en temps des opérations à Lyon qui se font en surprise. Mais moi, j'ai cru lire un truc. C'est une grosse OP quand même. J'ai cru lire un truc, mais apparemment, ils négociaient les joueurs sans en informer au-dessus, notamment Kamavinga au Real Madrid et ce qui aurait apparemment. Pas plus le fait qu'il fasse des opérations comme ça, tu vois, de manière un petit peu cachée, sans réellement informer, pas forcément sa direction, vu que c'est lui le président, mais l'investisseur au-dessus qui met l'argent. Ce qui n'aurait pas plu à Pinot, surtout, c'est que Létang, c'est un président, le club n'est pas à lui, et Pinot, ça reste quelqu'un qui a un ego, et forcément, qu'un mec se pavane comme ça, avec, moi je suis Stade Rennais, j'ai amené le Stade Rennais là. Ça plaît pas aussi, c'est pas le truc qui a chauffé créé. Un peu, ouais. Et il y a plein de trucs à ajouter à ça qui font que Létang n'était pas forcément si intouchable que ça. Après, t'es d'accord pour dire que c'est le meilleur président de votre histoire ou c'est de l'histoire, je sais pas, c'est compliqué. C'est dans l'histoire récente. Non, dans l'histoire récente, oui, quand on compare à Rani Rello, sur 20 ans. C'est la première fois que t'avais un président sur les années récentes qui connaît le foot, comme mine de rien. Oui, exactement. Je me souviens, il y avait des présidents catastrophiques. Il y en avait un qui avait parlé, tu sais, qui avait dit Barcelone, qui avait Patrick Lelay. C'est horrible, ça. On sait qui va le remplacer, Olivier Létang ? Il y a des rumeurs. Il n'y a pas de nom encore officiel. Il y a Arsène Wenger, j'ai vu. Ouais. Non, ça, je pense que ça me paraît un peu utopique. C'est le seul truc que j'ai vu. Mais je pense que justement, les Pinot vont plus aller chercher un mec de confiance, peut-être chez les Ruello, peut-être le fils, c'est possible. Et derrière, peut-être un directeur sportif, pas forcément avec un grand nom. C'est ce que j'allais dire, vous en avez un ? Non, parce que Létang. Là, vous avez Létang pas Létang de... faisait DS, c'est président. Il faisait la pluie et le beau temps. Oui, c'est beau ça. Et toi, qui es un peu plus du coup spécialiste de la question rennaise, etc., tu penses vraiment qu'il a eu un réel impact, Létang ? Genre qu'il a réellement apporté quelque chose qui fait que le club est à l'heure actuelle. Stéphane, c'est lui. Stéphane, mais je veux dire au-delà de Stéphane. Genre, est-ce qu'il a fait des actions qui ont permis au club, par exemple, à l'heure actuelle, d'être en course pour la Ligue des Champions ? Est-ce qu'il a pris des actions qui ont permis au club, je sais pas, d'avoir un meilleur effectif ou alors de gagner la Coupe de France l'an dernier ? Est-ce qu'il a eu un réel impact pour que ça ramène de telles décisions ? Moi, je pose la question. C'est une bonne question, mais Clem, il va te répondre et je te mets un tweet en même temps parce que regarde, Mbaye Niang, quand il a appris la décision, il a tweeté directement. Enfin, il y a un mec qui a mis que Mbaye Niang avait refusé de s'entraîner avec Amari Traoré. Et lui répond en mettant que personne n'oublie tout ce qui a été fait pour ce club, qui a conçu l'équipe actuelle et tout ce qui le fait, tout ce qui fait que c'est devenu un club respecté en Europe, pardon, dont moi. Donc tu vois, c'est pour te répondre un peu et je laisse Clément du coup. Oui, complètement qu'il a contribué parce que
Déjà, on est passé de René Ruelo qui disait que bon, si on finit 14e, c'est pas hyper grave. Ouais. À l'étang qui se dit, bah, nous, on veut viser 3e, on veut gagner. Donc forcément, quand t'as un président qui insuffle un discours positif et ambitieux, ça aide déjà. Puis c'est un mec qui a placé des hommes compétents aussi, qui a sorti un peu le club de son confort, de son rendement, parce qu'il n'était pas justement breton, il n'était pas du Serail Pinot, c'est pas quelqu'un qui était sous influence Pinot. Donc il connaît le foot aussi, ça aide aussi. Patrick Lelay, Saint-Sernin avant, qui est un homme très sympathique, mais il ne connaît pas trop le foot. Donc forcément, avoir un président qui connaît le foot, qui a quelques relations et qui a un discours ambitieux, bah, ça porte une... Attention, le mec, là, il se faisait un petit peu vanner au Paris Saint-Germain parce que, entre guillemets, c'était le seul personnage peu connu. Il a quand même travaillé avec Ancelotti, il a travaillé avec Leonardo. Tout le réseau que tu te fais pendant ces années parisiennes, ouais, forcément, ça impacte, c'est super. Voilà. Et ta façon de communiquer aussi. Quand tu es dans une grosse machine comme le Paris Saint-Germain où il y a des choses que tu ne peux pas dire, des choses que tu peux dire, tu vois, c'est comme si tu bossais, Zach, j'en sais rien, on va demain dans une grande chaîne de restauration, un truc, vraiment un gros truc, et puis le lendemain, je te dis, tu vas bosser dans le petit truc du coin. Tu seras encore plus exceptionnel, tu vois, tu seras au-dessus du lot. Et genre, tu disais, du coup, qu'il n'était pas du Serail Pinot, il avait un peu mis genre le coup de pied dans la ruche, quoi. Un coup de pied, il faut savoir que le club a beaucoup bougé en interne, il a viré beaucoup de gens, il a placé peut-être des copains à lui aussi, mais il a mis quand même des gens compétents, et puis voilà, il a insufflé souffle nouveau. Tout n'est pas parfait, parce qu'on parle des résultats, mais... Par exemple, le centre de formation, c'est un peu compliqué. Il a viré Landry Chauvin, avec qui il était en froid. Il a installé un mec qui est parti au bout de 2 mois. Il y a un nouveau mec qui est arrivé il y a 1 mois. Enfin, c'est très instable. Et pour un club comme Rennes, son centre, c'est hyper important. Bah oui. Donc forcément, voilà, c'est pas que positif. Faut aussi le dire. On a vu la réaction d'un joueur important de Rennes, Bai Niang. Ça peut impacter les joueurs et la saison du Stade Rennais. Bah, un des plus chers, carrément, une Bai Niang avec Rafinha. Là. Ça peut impacter, vraiment. Bon investissement, ça peut impacter. Oui, ça peut avoir un impact. Maintenant, je l'ai entendu, je ne sais plus où, mais par exemple, les joueurs se remettent très rapidement d'un coup de virée. Donc un président, est-ce que ça peut avoir, voilà. Tout dépend de comment dans le club on le vit, et c'est un défi. On sent effectivement par la réaction de Niang qu'il était quand même proche de certains joueurs. C'est un petit peu contestataire, tu vois, mais après le délire c'est quoi? C'est qu'une fois que sportivement la machine va reprendre, tu vois, les matchs vont s'enchaîner, bah, il n'y a aucune raison que... On l'a vu samedi contre Brest, les joueurs n'étaient pas les mains dans les poches, ils ont joué, effectivement. Il y a eu 0-0, mais il n'y a pas eu un match lâché. Après, de toute façon, ça fait déjà plusieurs matchs que Rennes, je trouve ça difficile dans le jeu. C'est vrai. Ouais, ouais. Bah, il y a eu un peu de réussite, même... Alors, c'est dur de dire réussite quand on pense à comment vous avez perdu contre Marseille il y a quelques semaines, mais en dehors de ça, tu vois, genre, vous avez eu un petit peu de réussite au niveau, on va dire, résultat par rapport au contenu que vous proposiez ces derniers temps. Et c'est vrai que moi, je commençais à penser, avant de voir les temps virer, que la machine, que le vent allait peut-être un petit peu tourner pour vous. Peut-être que je me... J'étais sur un fil, c'est sûr. Alors, on parle de l'étang. L'étang est parti. Désormais, Stéphane est resté, du coup, effectivement. Est-ce que c'est une superstar à Rennes, Stéphane, le coach rennais, avec cette victoire en Coupe de France, notamment la saison dernière? Superstar, je sais pas, mais forcément, quand un coach... Il est apprécié par les supporters, je me rends pas compte. Beaucoup. Ouais. Non, mais nous, de l'extérieur, on sait pas. Non, on sait pas, on connaît pas l'aura. À un moment, il était à deux doigts de se faire lourder aussi. Après, il y a eu. Ça arrivait juste après la finale de la Coupe de France, il y a eu des rumeurs comme quoi il allait partir. Mais c'était dû à quoi, en fait, tout ça? Dû à l'étang, en fait. C'était sa relation avec l'étang qui était très compliquée et qui aurait pu le pousser à partir, même si Stéphane, c'est pas un naïf. Il est de l'équipe Guy Stéphane, Deschamps, Bernès. Il connaît un peu le milieu. Donc forcément, il joue aussi ses cartes. Mais Stéphane, quand même, à Rennes, garde une réputation assez importante. Il a ramené la Coupe de France. C'est un mec qui est né à Rennes. Ouais. C'est un Breton, donc forcément, il a apprécié. Alors justement, on a une réaction d'Emeric qui ne doit pas être objective. Son pseudo, Emeric 35, il est vilain. Forcément, qui nous dit Stéphane est un des meilleurs coachs de France. Tu es d'accord avec ça, toi? Franchement, là... Ça ne sert à rien de dire meilleur coach, il faut surcoter les gens. C'est-à-dire que ça fait plus d'un an qu'il est arrivé dans le monde pro. Laissons-le avancer. Il aura des moments difficiles. C'est pas un crack, c'est pas un mauvais coach, c'est pas un bétonneur, comme j'ai pu le dire. Il suffit de voir son 4-2-4 est plus déséquilibré que bétonné. Voilà, c'est ça. Mais c'est un coach qui est un mec qui communique bien. C'est un coach qui a l'air ambitieux, qui a des idées de jeu, pas révolutionnaire, mais qui a des idées. Donc voilà, on verra. Et puis le truc, c'est quand même, mine de rien, c'est un coach qui arrive dans un club, ça je l'avais dit, qui avait rien gagné depuis les années 70. Une finale contre Lyon, d'ailleurs. On avait fait avec Didier Roustan ici. Donc en gros, c'est un club qui n'existait plus au terme de titres sur les dernières années. Et lui, il arrive, il fait une Coupe de France en battant le Paris Saint-Germain. En championnat, il arrive à s'en sortir, même si la première année, je crois, il finit plutôt dans le ventre mou. Mais en tout cas, là, ça joue le podium. Bah, petite Europe et Europa League. Exactement, où ils sortent le Bétis, bien vu. Mais là, il joue le podium, alors que le meilleur classement de l'histoire de Rennes, c'est quoi? C'est 4. Quatrième. Voilà. Donc tu joues le podium aujourd'hui, même dans cette Ligue 1 où on peut redire beaucoup de choses, au moins ils sont là.
Il y aura beaucoup de choses à dire aussi sur le jeu, mais c'est quand même un coach qui dépucelle un club, tu vois, sur les, depuis 70, quoi. Alors, comment tu nous confirmes, un coach qui est apprécié en tout cas par la majorité des supporters. Voilà, maintenant, il y avait un peu pro-Létang, pro-Stéphane. Ah ouais, il y en a. Faut pas opposer les deux. Ouais, voilà, on sait que Stéphane, c'est, comme je l'ai dit, il n'est pas naïf, il n'est pas bête, il mène sa barque. Mais voilà, ça reste quand même un très bon coach à Rennes, et quand on compare à ceux d'avant. Moi, je lisais Molina qui disait quand même pas mal de fois dans ses vidéos que Létang, c'était un peu. Pas mafieux, tu vois, mais un petit peu. Bah, il appelait langue de vipère, en gros. Ouais, il racontait. Bah, il est proche de la presse. Hein. Après, c'est Molina après, c'est qui raconte aussi beaucoup de choses. Il aime bien un peu romancé. Pas romancé, mais souvent, il y a toujours un truc derrière. Après, moi, j'adore ce qu'il fait. Ouais. Moi, ses vidéos, je les bois, tu vois. Mm. Mais comme par exemple, là, récemment, sa vidéo sur. Rien à voir, on va. Amiens, voilà, où il parle d'Olivier Piquet, tu vois, mais dedans, il remet encore une couche sur l'étang, tu vois. Mm. En plus, c'est drôle, il remet une couche sur l'étang et il se fait virer, genre, quasiment le lendemain de la sortie de la vidéo. Quelle influence. Je pense que peut-être que Molina. Même Villas-Boas qui avait mis une charge à l'étang quelques heures avant et s'est fait virer juste après. Alors on disait qu'effectivement que Julien Stéphan était apprécié. Au niveau des joueurs, c'est quoi les joueurs les plus aimés par les supporters du Stade Rennais? Il y a des joueurs qui ressortent un peu? Alors il y a quand même Mbaye Niang qui a réussi à retourner l'opinion. Lui c'était compliqué au début. Hyper compliqué. À quel niveau? Genre efficacité, comportement? Comportement en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui est arrivé, un peu nonchalant, mais c'est un mec qui arrive aussi à se mettre le public dans la et poche. Une bonne com, ouais. Il a une super com. Il a marqué des buts en plus. Il a marqué des buts, il a été super bon depuis un an, vraiment. C'est un bon joueur. Donc voilà, Mbaye Niang est quand même apprécié. Bourigeaud, Kamavinga, les jeunes comme à Lyon. Hein. Les jeunes Rennais forcément sont très appréciés. Bourigeaud, même si cette année, il fait une saison difficile. Un peu moins bien, ouais. Bourigeaud, c'est moyen cette année, mais il est aussi apprécié parce que c'est un mec qui lâche rien. Donc forcément, Léa Siliki, il est bien vu. À chaque fois, en fait, j'ai un souci. Dans chaque club, j'ai un joueur que je kiffe. Et à chaque fois, j'en parle et on me dit, il est éclaté. Par exemple, à Lille, j'aime bien Luis Araujo. On me dit, Luis Araujo, à chaque fois qu'il rentre, c'est irrégulier. Non, mais l'autre fois, j'en ai parlé, on me dit, franchement, c'est très irrégulier. Et à Rennes, j'ai un crush sur Léa Siliki. Mais je sais que c'est aussi très irrégulier, tu vois. Mais très irrégulier. Y a quelque chose. Et on l'avait mis un peu sur c'est le futur Matuidi, etc. Mm. Et finalement, il a quand même des limites techniques et il stagne un peu. Bah, du coup, c'est vraiment le futur Matuidi, alors. Peut-être. Moi, tu veux savoir, c'est qui que j'aime bien à Rennes comme ça, petit joueur qui me plaît bien? C'est Amari Traoré. Bah, c'est un gros. C'est un vrai. J'aime vraiment bien. Il a un souci dans le dernier joueur. C'est un bon latéral, quand même. Ah non, mais je dis pas ces petits joueurs éclatés. Je dis, c'est vraiment. Mais il a une caisse de ouf. D'ailleurs, les deux côtés. Mawassa, c'est un. Buffle. Ouais, pareil, Mawassa, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, Clément, sur Twitter, je prends l'exemple de clubs comme l'OL ou l'OM, c'est vrai que sur Twitter, ça s'enflamme sur des joueurs à chaque fois, ou ça descend des joueurs, je pense notamment à Touzard pour l'Olympique Lyonnais. C'est comment la communauté de Rennes sur Twitter par rapport aux joueurs? Elle est comment? Est-ce qu'elle est active? Je vois beaucoup de tweets passer. Mon cousin est supporter de Rennes, c'est pour ça aussi dans ma timeline, je vois beaucoup de trucs rennais. Mais tu sais, anti-nantais, c'est bon, tu sais ce qui ressort de là-haut, des CM? C'est que quand ils envoient une vanne sur Rennes, ils mangent des remarques. Ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Parce qu'on dit que Rennes est un peu susceptible. Et parce que aussi Rennes a souvent eu des remarques, des blagues un peu répétitives. Ouais. Rennes, c'est la canne, Rennes, c'est la loose. Ouais, force, c'est marrant en fait, parce que Rennes aime bien se moquer de ça. Donc innover, bande de merde. Il faut innover en fait. Mais c'est une communauté quand même. C'est un message pour les CM. Voilà. Effectivement. C'est une communauté quand même qui est assez active. Il y a des gens que vous prenez en grippe, un peu comme Touzard à l'OL. Il y a eu récemment, par exemple, pendant la crise d'automne, là. Jérémy Gélin qui a été assez violemment pris en grippe sur les sociaux par rapport à sa fiancée, etc. Attends, c'est quoi l'histoire? Remets-moi le contexte. Jérémy Gélin qui n'avait pas fait un bon match, je ne sais plus c'était contre qui, contre Dijon peut-être. Ouais. On avait perdu 2-1, je crois. Et voilà, Jérémy Gélin il s'affiche avec sa compagne sur Instagram. Et les gens en profitent pour tacler là-dessus, ce qui n'est pas très malin. Mm-hmm. Mais comme partout, finalement, c'est comme dans tous les clubs. Voilà. Par exemple, Mendes, on lui tire dessus. Moi, il tire dessus parce que c'est un gros fêtard. Après, s'il y a des preuves. Ah non, mais il y a. Hein. Ah, ben je sais. Mais Mendes, il faut savoir. La bouteille de rhum de São Luís. Ah non, mais moi, un des trucs qui m'a fumé, c'est que j'ai des amis, tu vois, qui sont du Virage Sud, genre une quinzaine, et ils me racontaient qu'une fois, ils arrivent dans un des bars de Lyon qui s'appelle Les Poupées Russes. Je vais te dire, Les Poupées Russes, c'est un bar étudiant tout rené au centre de Lyon, mais vraiment, genre, le bar le plus quelconque du monde. Tu vois ce que je veux dire? Mendes, il tape 200 plaques par mois, il va se la coller là-bas, dans un bar étudiant. Après, faut du plein. Non, mais. Faut aiguiller-le, là. Il sait pas où il est. Après, je fais pas du jugement de valeur, tu vois. Je dis pas, tu tapes 200 plaques, tu vas que dans des endroits putain de chers. En plus, j'allais beaucoup là-bas, donc tu me respectes pas. Bah oui, mais qu'est-ce que je dis? Bar étudiant, t'étais étudiant. Et c'est pour ça que moi, ça m'a fait rire quand on m'a dit qu'on l'avait croisé au bar, aux Poupées Russes. J'étais mort de rire, quand même, parce que c'est trop drôle, en fait. À Rennes, c'est pas ce qui manque les bars non plus. Non. Mais d'ailleurs, la communauté rennaise à Paris, c'est un truc de ouf.
de manière globale. On a un bar rennais dans le 15e arrondissement. Ah ouais, c'est rue cool. Des Morillons. Où les supporters sont au groupe pour signer. Il y a une association, c'est le Horizon School. Ouais. Il faudrait faire une réunion avec les rennais, c'est des frères. Et vous êtes pas mal l'ambiance. Je sais qu'il y a Cone the Way où il y a souvent 50. Il faudrait qu'on fasse un rendez-vous parce que c'est grâce à vous. Enfin, Genesio a été libéré de Lyon grâce à Rami Ben Sebaini. Libéré, j'aime bien le mot. L'utilisation de ce mot libéré. Je vais pas mentir, le but de Ben Sebaini. Ah ouais, j'ai crié. Bon, mais en tout cas. Il y a eu serrage de poing. Pour revenir sur l'instant présent, Rennes qui joue ce soir, on rappelle, un quart de finale de Coupe de France, compétition importante. Attends, tu fais sa petite épopée, Belfort, non ? J'ai pas suivi. À 11, regardez la cote de Belfort à 11. Après avoir gagné la saison dernière de cette Coupe de France, c'est pas l'objectif principal du club, hein, cette saison ? Bon, encore ? Franchement, on va pas non gagner plus deux fois de suite, ce serait énorme. Ce serait énorme, on va pas non plus gagner tout le temps la Coupe de France. Faut pas, faut ouais, non, ça va, ça ouais, il faut aussi penser à la Ligue des Champions. Ça reste un titre. On prend si on peut, mais bon. Attends, j'en connais, les Lyonnais qui aimeraient bien gagner la Coupe de France. Moi, je prends la Coupe de la Réunion. Tu prends toutes les coupes, là. Pas si on peut refaire un Royal au Stade de France, on ira avec plaisir. Hein. Mais là, tu sens quelque chose de mauvais ce soir ou ça va? Alors franchement, avant, j'ai vu Belfort-Montpellier un peu rapidement, ouais, le match d'avant, et c'est un miracle que Montpellier sorte. Bon, je me dis que sur une pelouse normale à Sochaux, ça doit passer. Ça joue à Bonal ce soir. Donc voilà, maintenant, dans le contexte, on va voir, par rapport au contexte un peu tendu, institutionnel à Rennes, comment ça se passe, mais franchement, je suis... Ma grosse... Vous avez les compos ou pas? C'est pas encore. Mais du coup, vu qu'il joue à Bonal, vous prenez la recette? Vu que Rennes remplit le stade. Non, je pense qu'on la laisse, on est quand même plus classe. Maintenant, on n'a pas de président actuellement. Donc, Cote à 34, on la met dans un combiné, ça paraît simple. On n'a pas de président, on a tout. Ouais. On sait pas. Cette cote à 34, on y va dans un combiné. Moi, tu vois, si Clément me dit que, entre guillemets, c'est plutôt safe ce soir, j'étais parti pour me dire, allez, pourquoi pas Belfort. Moi, c'est pas là que je vois la surprise dans le quart de finale. Attends, je verrai plus du côté d'Épinal. Épinal Saint-Etienne. Mais Montpellier, il sort pas parce que Rouli, il sort et il met les mains à 10 mètres de sa surface et il se prend un rouge, il finit à 10. Non, c'est pas. C'est sûr, je crois que c'est ce match-là. Il finit à 10, genre Rouli. Il fait une sortie à 30 mètres de ses cages. Ils ont 15 occasions. Vous pensez que vous mettez la bonne équipe ce soir? Je pense qu'il va faire un peu tourner, mais voilà. Non, mais de toute façon, ça reste Belfort en face. Quand même. Ouais, mais surtout, Rennes, leur banc, il est plutôt correct. Hein, quand tu vas en sortie de banc. Par rapport à l'année dernière, oui. Puis on a des jeunes beaux, tout ça. Exactement. Raphinha, ça donne quoi? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Chaque fois que j'ai vu, j'aime bien. Même s'il a fait une perte de balle récemment qui vous a coûté un but. J'aime beaucoup Raphinha. C'est hyper frustrant en fait parce qu'il n'est pas efficace. Mais c'est un très beau joueur et qui sent le foot. Ça fait quand même plaisir. Par rapport à Sarr, par exemple, qui est hyper explosif, qui est hyper rapide, mais qui parfois manquait un peu du jeu dans le jeu. Ouais, ça, ouais. Là, on sent que c'est un joueur beaucoup plus collectif. Je préfère Raphinha, tout à fait. Nous, quand vous êtes venu chez nous, il a fait danser Rafa. Hein. Il est très très bon. Sarr, il avait un souci, c'est qu'il était vraiment. Tu avais l'impression que le moindre coup, il volait. Quoi. Il était beaucoup faible sur ses jambes. Et juste pour finir, Rennes, ça a été un des premiers clubs en France à envoyer des grosses patates sur des joueurs. Hein, parce que Luis Fabiano, c'était cher. Hein. Luis Fabiano, début Pino, ils ont eu Tourdeau. On en parlera tout à l'heure, peut-être. On en parlera tout à l'heure. Chiano aussi, c'était cher. Des sujets communautaires, avec notamment des joueurs qui ont marqué l'histoire du stade Rennais. Rennais, c'était ça, les gros transferts. En tout cas, vous voyez la cote ce soir, 1,34. Rennes, ça démarre à 20h55, quart de finale. Sur la pelouse de Bonal face à Belfort, pour ceux qui voudraient parier. Voilà, il y a des paris en semaine également sur Winamax. Allez, on passe du tout au tout. C'est l'heure de l'élite opinion de Zach. Ah oui, déjà. Alors, Zach, de quoi nous parlons aujourd'hui? C'est la surprise. Je ne sais pas de quoi on va parler. On va mettre un petit chrono d'une minute. On va le préparer, effectivement. Avec Stade Rennais. En plus, il y a eu des ponts entre. Ouais, Petr Cech. On part en Angleterre, de l'autre côté de la Manche. On va parler de Chelsea, qu'on a fait une émission spéciale Chelsea il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, parce que j'ai vu une image qui m'a intéressé sur Twitter. Et donc, du coup, j'ai approfondi un petit peu. Et je vais vous dire un truc, les amis. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. On est bien d'accord. Et entre le 11 février, on peut démarrer. Ouais. Ah ben on y va. Allez. Et entre le 11 février et le 21 mars, il y a une quarantaine de jours, tu vois. Quarantaine de jours où, parmi lesquels, Chelsea va jouer United, Tottenham, deux fois le Bayern, Liverpool, Everton qui revient bien avec Ancelotti, City, et il va également se déplacer à Aston Villa ou à Bournemouth. Pourquoi est-ce que j'ai dit Chelsea, c'est l'heure, Lampard, c'est l'heure du vrai test? Parce que malgré un effectif qui a un petit peu de limite dû au fait de ses problèmes, la méforme de certains jeunes, par exemple Mount, même si ça a l'air de revenir un petit peu, et qui fait quand même de beaucoup d'éclats dans des gros matchs et qui galère un petit peu plus dans des petits, ça rappelle un peu l'OL de Voldemort. Quand je dis que c'est le vrai test, c'est qu'il y a une succession justement de ces grosses rencontres qu'ils ont bien abordées pour l'instant. Et surtout, il va faire sa première en huitième de Ligue
Ligue des Champions et également Lampard en tant que coach. Donc, tant au niveau des grosses rencontres en Première Ligue ou quasiment sur ses 40 jours, donc 21 mars, c'est un petit peu la prochaine trêve, Chelsea va jouer son avenir en Ligue des Champions et quasiment également son top 4. C'est aussi pour ça que je dis Lampard, c'est le vrai test. Le vrai test. C'est vrai que le calendrier, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah ouais, mec, c'est du lourd. Hein. Bon, United, Tottenham qui revient bien parce qu'il y a Mourinho qui a fait quand même de bons résultats et qui revient dans la course pour le top 4. Il y a qui d'autre ? En plus, United qui les avait frappés à la première journée, ça on s'en rappelle 4-0. Ouais, ouais. Deux fois le Bayern, ils reçoivent City, ils reçoivent Everton également, qui revient super bien. C'est quasiment eux qui ont la meilleure moyenne de points derrière Liverpool depuis qu'Ancelotti est là. Enfin, en tout cas, une des. Ouais. Ils se déplacent à Bournemouth, qui est aussi un déplacement compliqué. Ouais. Mec, le nombre de matchs chauds à gérer là. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, le tout là, je t'ai dit 8 ou 9 matchs en moins de 40 jours, tu vois. Donc, avec un effectif qui n'est pas si profond que ça. Et qui a une profondeur, tu vois, qui est quand même déjà, assez limitée. Franchement, je pense qu'ils vont faire l'impasse sur la Ligue des Champions. Face au Bayern, ça va pas la faire. Tu vois, ils vont pas, ils vont manger aller-retour. Ils vont pas le faire ouvertement, mais je pense que match aller, ils vont se faire calmer. Ouais, je pense. Match retour, ils vont gérer. Moi, je pense qu'ils vont déjà mettre leur équipe de type. Hein. Tu peux pas, quand t'es Chelsea, te permettre de pas mettre ton équipe. Non, ils vont mettre l'équipe type, mais je pense que ça peut être rapidement plié dès le match aller. Ouais, il y a un écart quand même. Après, le Bayern revient bien. Ouais. Et justement, le Bayern revient très très bien. Après match aller, ouais, là, je regarde, ils reçoivent le Bayern. Ouais. Dans un instant, on fera la grille avec Zach. On va la préparer cette grille, effectivement. Comment vous le sentez, ce test, justement, ce vrai test pour Chelsea, pour Lampard ? Je reste là-dessus encore. Bah, écoute, on verra. De toute façon, moi, je pense qu'ils ne vont pas passer contre le Bayern. Parce ouais. Que ouais. Même si le Bayern est... Quelque part, ils ont pas grand... enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils ont des choses à perdre, mais ils ont pas mal de circonstances atténuantes. Ils n'ont pas eu de mercato, ouais. Ils ont beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas de neuf. Franchement, c'est une saison encourageante, avec l'effectif que tu as, d'être aussi haut, tu vois. On peut mettre un petit tweet, là, parce que... Mettons. Oui, juste là, parce qu'on me le rappelle en direct. Ah ouais, tiens, un ancien René. Participons à cette émission tous ensemble. C'est bien dans le chat. On nous dit, Ntep, c'est vrai qu'il... il y a eu contrat séparé. Fin de contrat, il est libre, Ntep. Donc, ça fait un petit lien avec Rennes, puisqu'il est passé Qu'est-ce par Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Je sais pas, moi, j'adore. En plus, l'autre jour, je vais te dire un truc. Je recherchais son profil Transfer Market et je voyais qu'il n'avait pas joué depuis des mois, ouais. Il avait été prêté à Saint-Etienne à un moment. Toujours blessé. Ouais, je sais. Il avait joué, je crois, 10 matchs. Hein, c'est décembre 2018. T'en pensais quoi, toi, Clément ? À Rennes, ça a été une idole pendant un an. Il a marché sur l'eau. Mais oui, fantasque. Et le stade vibrait dès qu'il y avait le ballon. Mais derrière, il est parti et physiquement, il a complètement lâché. Et il a disparu. Il y a une grosse blessure, je crois, à un moment. Plusieurs blessures. Ouais. Pas un petit retour en Ligue 1 pour Ntep. Bah, franchement, moi, j'adore l'OM. Heureusement, j'avais plus Ligue 2. Hein, ouais. Tu sais qu'il avait été pressenti à l'OL à un moment, je crois. On a entendu parler. Il avait le niveau, très sincèrement. Allez, Zach, cette grille. On est prêt ce soir, 9 000 euros garantis. Tu as préparé ta grille, j'ai la tête de la grille. Sofiane a bossé. Ah oui, je l'ai bossé. J'ai un mini problème, en étant parfaitement honnête. À quoi, t'as pas de sous ? J'ai pas mon bonus. Oh là, c'est terrible. Et surtout, quoi ? J'ai pas de CB. Aïe, aïe, aïe. Si je te donne la mienne. Là, concrètement, je ne mens pas, c'est totalement vrai. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer la grille, on mettra le lien après l'émission pour nos amis dans le chat. Allez, vas-y, on fait la grille, je te la fais. Sofiane a bossé dessus. Ouais, j'ai bossé dessus, vas-y. Donc, le premier match, c'est Brentford contre Leeds. Brentford, ils sont bons à domicile, j'ai travaillé dessus. Faut mettre Brentford ou Leeds, il n'y aura pas match nul. Ouais. Tu penses ? Ouais. Leeds, c'est n'importe quoi en ce moment. D'ailleurs, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Je sais, c'est ce que j'ai regardé. C'est moyen. La dynamique. Barnsley contre Birmingham. Barnsley, c'est en grande difficulté, je crois que c'est avant-dernier, donc tu mets N2. Hop, voilà. Il a bossé le petit. Blackburn contre Hull City. Blackburn à domicile en sec. Ah ouais ? Hull City, ils sont sur une série de défaites impressionnantes. Ok. Nottingham Forest contre Charlton. Faut mettre Nottingham. La mouchie, Nottingham Forest. En sec. Oui, c'est vrai qu'il y a la mouchie, l'ancien coach de Rennes. En sec ? En sec, ouais. Okay. Swansea contre Queen's Park. Tu mets un N. Queen's Park, ils sont pas bons, QPR ? Non. Okay. Oui, mais après, Swansea, c'est pas une valeur sûre, donc un petit nul au cas où. Wigan Middlesbrough, également un N. Ah ouais, t'es chaud. Ouais. Ah ouais, putain, et Belfort contre Rennes, oula. J'ai mis triple. Ah, carrément ? Ah, c'est sur ça que tu fais péter des gens. Voilà. On n'est pas à l'abri du bourbier. Si on veut gagner les 9000 balles, c'est maintenant. Et c'est pas con. Ah, effectivement, il faut aller chercher des surprises, pourquoi pas. On le souhaite pas pour toi, Clément, tu es supporter de Rennes. En plus, il y a 6 matchs de championship, tu vois, donc c'est vrai que sur le coup... Allez, alors cette grille, je te propose, on la garde en mémoire, on la proposera, on la validera après l'émission, vous pourrez miser avec Zach pour vibrer avec lui, on reste sur un 6 sur 7, mais des 7 sur 7, si on a connu un peu. Et franchement, ça méritait un 7 sur 7, mais les chamois niortaient, on va régler ça. Effectivement. Les chamois niortaient nous ont... J'allais dire, nous ont troué la grille et j'ai... Troué la grille, voilà, c'est plus cool. La grille. Hey, je l'ai là. Appelle ça la grille, moi. Comment tu peux perdre... En plus, on avait N2, donc c'est-à-dire que le nul nous suffisait. Ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent se prendre 4 buts, dont 3 pénaltys et un CSC ? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, non, cas, perdre la grille. Si Blender dans le chat qui me dit, j'ai analysé les deux premiers matchs aussi, il a raison. Voilà.
Vous êtes d'accord sur, sur les matchs. Moi, j'avais vu Brentford, ils étaient aussi à l'aise à domicile cette saison. J'ai regardé, et Leeds, ouais, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, c'est un petit peu la crise. Hein. C'est en train de lâcher, comme l'année dernière. Le pire, c'est qu'ils sont deuxième, mais le cinquième, donc qui est Brentford à l'heure actuelle, ils ont 2 points de retard à peine. Enfin, 2 points de retard entre la 5e et la... C'est en train de lâcher, j'étais 4 défaites sur les 5 derniers matchs. En fait, c'est du Bielsa, malheureusement. C'est horrible parce qu'il y a énormément de matchs. Deux premiers matchs, tu passes. Mais il y a 44 matchs. Ensuite, entre 3 et 6. T'as plein de barrages, ouais. Combien il y a 46 matchs ? C'est des play-offs, ouais. 46 matchs ? 44. 46. Mec, c'était horrible. Dinguerie. Parce que je l'ai fait sur FM, mais t'as l'impression que ça finit jamais. Tu joues tout le temps. Tu joues tout le temps, mais le pire, c'est... Ça, ils ont la coupe de FA Cup et... Ouais, oui, mais... Parfois, t'as un match le matin, hein, le soir, t'es là. C'est trop. Ah, mais le pire, c'est que vraiment, et en plus, tu te déplaces dans tous les bourbiers d'Angleterre, ouais, tu vois. Ouais. Tu sais, toutes les villes un petit peu pétées. Ouais, exactement. Là, c'est horrible. C'est le football qu'on aime, ça. Bah oui. C'est le football industriel. Bon, en tout cas, la grille, ce sera après l'émission pour le lien pour vous dans le chat. C'est l'heure désormais du sondage de Zach. Et oui, on vous a demandé sur Instagram quel était votre joueur préféré du Stade Rennais, dans l'histoire du Stade Rennais, pas cette saison. Il y a eu beaucoup de joueurs, de très beaux joueurs qui sont passés sur le par le Stade Rennais. On va découvrir les vôtres. Après, j'ai réfléchi, il y a des joueurs. Il y a plein de joueurs. Il y a des très très bons joueurs. On va commencer par découvrir les autres. On va commencer avec toi, Clément. Quel est ton joueur favori? Je crois qu'il a le même que Joël. Ah. Moi, j'ai direct. En fait, c'est le premier nom que j'ai entendu, c'est Alexander Frey, parce que c'est mon adolescence, c'est là où j'ai commencé à être abonné au stade. C'est le premier qui a commencé à me faire vibrer, à marquer ses buts. Et puis, c'est une personnalité un peu particulière, un gros caractère. Et une relation avec Monte Rubio à l'époque assez énorme. Et justement, depuis, Rennes n'a pas retrouvé un buteur pareil. Donc, combien de buts avec Rennes? Tu as le chiffre en tête? Une cinquantaine de buts, je crois, en 115 matchs. Un quadruplé contre Marseille. C'est ça, c'est de là. Surtout ça. C'est venu. Barthez, ouais. Exceptionnel joueur. Mais Rennes, ça faisait partie des équipes. Et c'est toujours le cas. Chaque fois que Lyon rencontrait Rennes, je sentais la patate. Même à l'époque, on était énorme. Hein. Et à chaque fois qu'on allait là-bas, on s'est mangé des 3-0. Hein. Avec Michael Pagis, c'est mangé à la maison, je me rappelle, en décembre, dans le froid, John Utaka aussi, triplé. Mais attends, c'est pas Kim Kallström aussi qui nous avait envoyé une volée de... Et vous avez envoyé une reprise de volée, Il nous avait envoyé une reprise de volée. Dimanche après-midi. On avait 3-1, je me rappelle. Cette équipe, avec... Je me rappelle. Il y a deux stades où je détestais aller, même quand on enchaînait les 7 titres, c'est... Non, moi, c'est Bonal, Sochaux, avec là, les cheat codes, là. Tous les Santos, les Pedretti, Rennes, ça devenait Messi à chaque fois qu'on allait chez eux. Et puis Rennes, bien sûr. Pierre Lafro, paf. Mais gros, on a essayé de leur enlever Pedretti et Fro pour qu'ils arrêtent de nous tartiner parce que c'était beaucoup trop. Chez nous, il a bien réussi. Fro, il a mis un but contre Manchester United. En tout cas, Frey, c'est un nom qui revient dans le chat et sur Instagram. On l'a vu pas mal de fois. D'ailleurs, il y aura des freebets pour une partie d'entre vous. Ils seront crédités demain. On fera le tirage au sort. Il y a un mec qui nous dit Laurent Poucou. Laurent Poucou, après, pour ceux qui l'ont connu, c'est un vieux, c'est un international ivoirien. Les gens aussi. Je connais pas du tout. C'était le plus grand buteur de la sélection ivoirienne avant Didier Drogba. Voilà. Exactement. Ouais. Et le recordman de buts de Coupe d'Afrique avant Samuel Eto'o. Et Eto'o avait mis un tweet assez marrant là-dessus, un peu avec son égo. Il lui avait dit quoi, en gros, maintenant je suis le plus grand. Félicitations. Le pire, c'est quand il est décédé. Il a rappé au deuxième meilleur buteur derrière moi. Ce truc écœurant. Oui, il a dit, ouais, l'égo. Voilà, il a dit, ouais, qu'il a été super fort, mais lui, il a été. D'abord, rappelé à Pep Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. C'est ça, et d'ailleurs, Laurent Poucou ne s'entendait pas trop avec Eto'o. Il avait dit, rappelé que lui, il avait été meilleur buteur de la CAN sans tirer un seul penalty. Et quand il est mort, il lui a répondu. Oh le bif, il est horrible et tout. Joël, ton joueur. C'est Frey aussi, parce que je me souviens, je crois que c'était un samedi soir. Il avait mis un quadruplé contre l'Olympique de Marseille. Ouais, ça t'a marqué, celui-là. Moi, je le connaissais pas là-bas. Je me dis, mais d'où il sort lui? Et nous, en plus, c'était 2004. L'époque où l'Olympique de Marseille était. On faisait peur quand même cette saison-là avec Drogba et tout ça. C'était Drogba, c'est la saison Drogba marque à ce match-là. Saison où il met 24 buts Drogba, en Ligue 1 Si. Il y avait Drogba, il y avait Mido qui avait marqué. Oh, Mido. Il y avait eu combien? 4-3. Vous aviez mangé 4-0. Non, c'était un super joueur rennais. Après, il est parti à Dortmund. Et en plus, Dortmund, il y arrive... Tu sais, t'as un moment, t'as Dortmund qui commence à couler. Et lui, il arrive, il commence à relever. Dortmund, il marque pas mal de buts avec les Mohamed Zidane, ça. Ça repart derrière. Bon, Zach, tu nous as trouvé un autre joueur, j'espère. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pris John Utaka, frérot. John Utaka, j'ai vu son nom aussi également. Moi, j'ai pris. Ah ouais, bah. Ah ouais, d'accord. Il a changé, John Utaka. Attends, John Utaka, il a changé. Il a changé, Utaka. Ah, voilà. C'est le maillot, je l'ai.
C'était Pagis qu'on a vu. Moi, il m'a marqué parce que déjà, il a mis un triplé contre l'OL. Et surtout, je vais te dire un truc, à l'époque, donc il a fait 2005 à 2007 à Rennes, si je dis pas de bêtises, et ça a été l'époque où je commençais justement à regarder la Ligue 1 quand j'étais jeune, tu vois, j'avais 11, 12 piges. Et surtout, moi, il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être que Clément va s'en rappeler, moi, ce qui m'avait marqué, c'était pas son triplé contre Lyon, c'était une sorte d'énorme but qu'il avait marqué, je crois, contre Montpellier. C'est pas contre Lorient? Ou peut-être contre Lorient, je sais pas. C'est un débordement à gauche. À gauche, à l'entrée de la surface, au niveau de l'angle, tu vois, du LCS. Un débordement de ouf. Ouais. Et il met un but de malade. Ouais, ça, ouais. Et à ce moment-là, vraiment, ce joueur m'a marqué. J'aurais pu dire Kim Kallström pour faire le chauvin parce qu'il est venu derrière chez nous ou Monté Rubio. Mais moi, c'est John Utaka qui m'avait réellement marqué et que je trouvais que c'était vraiment. John Utaka, dans la même veine, qui à l'époque m'avait aussi marqué Haruna Dinda. Ah, ouais. Mais ça, c'est les Lensois, ça. Oui, je sais, il avait marqué Utaka un but de. Ouf, c'est pas une sur une jambe, il était blessé. Il dribble pas 3-4 mecs, là. Et il met un but genre de ouf sur une jambe, et ça m'avait marqué. D'ailleurs, on l'a retrouvé avec des faux billets dans un tabac. Bon, bref, c'était pour la petite. Zach Molina. Ouais. Alors, effectivement, ouais. Mais voilà, c'était John Utaka. John Utaka, Alexander Fay. Je vois d'autres noms cités. C'est vrai que moi, j'aurais pensé à lui, peut-être en premier, le portier. Sech. Ouais, ouais. Il a pas marqué l'histoire. Ou des bons gardiens. Ouais, mais c'est quand même un. Oui, c'est un. Après, il est parti à Sech, forcément. Non, en revanche, San Siro CD5, je t'adore, mais Asamoah Gyan, c'est. C'est un trou à Rennes quand même. Après non, il a quand même fait 6 mois où il était hyper fort. D'accord. Puis Sech, on l'a quand même vendu 18 millions. On m'a dansé aussi, les gens du club. Leur bon gardien c'était Zaxon. Dansé forcément, oui, à côté cœur, c'est un mec. Alors j'aime bien Javier Pena, Cyril Jeunechamp, joueur très sympathique sur le terrain. Après Sech, j'ai pas eu de mentir, moi il a fait quoi? Il a fait 2003-2004. Moi, 2003-2004, j'ai 8-9 ans, gros, donc... On l'a plus connu à Chelsea, quand même. Je peux pas te dire, ouais, souvenir impérissable. Ouais, mais c'est pas... Ouais, tu toujours pas le bon premier. En tout cas, n'hésitez pas encore à commenter sur Instagram. Ouais, il y a Monte Rubio aussi. Moi, j'ai mis... Rubio, mais maintenant, il a retourné à Nantes, il trace un peu près des fois, donc c'est... Moi, j'ai mis Pagis. Puis il a grossi, Monte Rubio, putain. Il a grossi, oui. Ah, vraiment? Ah, il est énorme. Oui, j'ai mis Pagis, moi. Ouais. Pagis, ouais. Non, mais ça, c'est la beauté. Bah, non, mais c'est soyeux comme joueur. Là, c'est aussi le fait qu'à Lyon, il nous en a mis. Il a mis une demi-volée aussi contre Lyon. Oh, il en a mis à 25 mètres, je me rappelle. Que ce soit avec Rennes, Strasbourg ou Marseille, il en a mis un paquet. Et c'est un peu joueur à l'ancienne, tu vois, le Bergkamp de chez nous. C'est un beau joueur. Technique. Pire, c'est qu'il y en a, ils disent, Romain Danzé, tu vois, genre légende du club. Bon, Romain. On l'adore. Quand j'ai joué à FM et je suis arrivé dans le club, gros, 2,5 étoiles de niveau, 7 de vitesse, il a été que légende du club. Il a été vendu très très vite. Bon, messieurs, il est déjà l'heure de se quitter, ça passe vite avec vous. Twitos FC, c'est terminé. Merci Clément d'avoir été parmi nous. C'est intéressant de venir parler de clubs comme ça, comme Rennes. Ça change un peu des autres sujets, effectivement. Merci Joël, merci Sofiane, merci Zach. N'oubliez pas, il y aura le lien de la grille de Zach dans un instant dans le chat. Restez avec nous, puisque c'est la NBA tout de suite avec Eddie David et Lucas. C'est Clash sur Winamax. Tout.